Salut les amis. Vous êtes encore là? Oui, bah oui, moi tous les jours, c'est bien 19h, fidèle au poste, paf. Je rends pile aujourd'hui, puisque je vais vous faire voir une review sur un jeu un petit peu particulier. Imaginez qu'on ait l'idée de vous mélanger un thème sombre, voire peut-être horrifique, va savoir, avec une ambiance cartoon. Bah oui, les trucs cartoon, vous savez, très légers. Quand vous entendez la musique derrière, là, tout de suite, vous pouvez pas vous empêcher de penser à ça. Donc vous vous dites, oui, Roger Rabbit, je me rappelle, ça existait sur Amiga, il y avait trois disquettes, fallait pas arrêter de jongler avec. Et en fait, le jeu, essentiellement, c'était surtout changer les disquettes, quoi. En plus, il y avait une protection de merde par password, je crois. Et en fait, tu passais les trois quarts du jeu à chercher le mot demandé par la protection, et puis à insérer la disquette qu'on te demandait, parce qu'il fallait aller chercher l'autre scène suivante qui n'était pas dans le même ordre et que c'était pas un CD-ROM, quoi. Mais enfin bon, je vais pas vous parler de Roger Rabbit, non, je vais vous parler de ce jeu qui s'appelle Bendy and the Ink Machine, parce que il m'a un petit peu tapé dans l'œil, parce qu'il est vraiment super bizarre. Je vais vous le montrer, ce sera beaucoup beaucoup plus explicite, et je n'aurai même pas un fail de démarrage, je peux le vous garantir, quoi. Non, non, pas aujourd'hui. On est samedi, l'équipe du Fell est en week-end. Donc moi, je suis à peu près peinard. Bendy and the Ink Machine. Alors, pour cette exploration, moi, je vais pas trop causer. Je vais vous emmener avec moi, tout simplement, puis vous vous ferez votre propre idée. Le jeu est quand même un petit peu... Bah, il est particulier, en fait, vous allez vite comprendre. Alors, nous voilà avec une invitation qui nous invite à visiter un endroit où on va nous faire voir quelque chose. J'espère que c'est pas un vieux pervers avec un impair. Alors voilà l'animal. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Le secret de Joey. Alors, c'est très rigolo ce truc. Parce que du coup, on a un rendu très cartoon. Dans un univers qui parle de cartoon. Et du coup, on se demande un peu qui on est, quoi. Bendy, c'est le héros de tout. Je sens qu'on va se faire une bonne collection de portes closes. Alors, est-ce que j'ai un truc pour courir? Ouais. On va dire une petite course, hein. Une course de petit zizi. Alors, département artistique, salle d'ancrage, théâtre, et pièces cassées. Oui, bah je... Je découvre, en même temps vous. Hein. J'ai lancé une petite partie pour faire le setup vidéo, parce que ma machine s'est mise à faire ses superbes bourdonnements de frelons. Qui indique que les ventilos sont en position décollage pour le PC. Donc il y avait le boîtier qui était en lévitation à 20 cm du sol.
Et je me suis dit, ouais, non, on va peut-être pas le streamer en QHD. Alors, pour les techniciens, sachez que je suis en 1280. Par contre, toutes options au taquet. Alors, est-ce que je dois venir ce jour-là? Non, c'est bon. Bon, bah c'est bon. Attention, on va peut-être pas tomber. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Better get overtime for this. Joey, what were you doing?
Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Punching in.
How do I get this to work? Put this here. I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I simply don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had an issue with